les mises à jour Google d'avril. Deux importantes mises à jour de Google sont à relever cette semaine. La première concerne les avis de Google. Le 12 avril, Google a annoncé une nouvelle mise à jour de ses critères d'évaluation des avis appelés April 2023 Review Update. Cette mise à jour met l'accent sur les signaux d'expérience plutôt que sur le produit, contrairement aux mises à jour précédentes. Google a publié une documentation pour accompagner cette mise à jour qui inclut des critères liés à l'EAT, expertise, autorité et fiabilité, ainsi que des preuves d'expérience qui peuvent prendre la forme de preuves visuelles, audio, quantitatives et de liens vers d'autres preuves. La nouvelle mise à jour disponible en 11 langues renforce le poids de l'expérience et pourrait impacter les classements de sites, bien que la durée du déploiement ne soit pas encore précisée au moment de cette vidéo. La seconde mise à jour de Google concerne l'affichage des vignettes vidéo sur son moteur de recherche. En effet, Google a modifié la façon dont les vignettes vidéo sont affichées dans les résultats des Search Engine Response Page. Désormais, la miniature ne sera visible que si la vidéo constitue le contenu principal de la page. Cette modification a un impact minime sur l'engagement des éditeurs de sites et permet aux utilisateurs de mieux comprendre à quoi s'attendre lorsqu'ils visitent une page. Les éditeurs de sites peuvent constater un impact sur leurs statistiques d'apparence de recherche pour les vidéos dans le rapport de performance de la Search Console. Google recommande de surveiller la performance des pages avec des vignettes de vidéo et s'assurer que les utilisateurs comprennent clairement le contenu de la page pour éviter les taux de rebond élevés. J'espère que cette vidéo à la montagne vous a plu. J'ai de la chance, vous avez vu, on est aux deux Alpes et je vous dis à une autre actualité.